Le gisement de gaz de Zohr est l'une des plus importantes découvertes en réserve de gaz pour l'Égypte au cours de ces dernières décennies. Le gisement est le plus grand de Méditerranée, avec des réserves se montant à 850 milliards de mètres cubes. La première phase, inaugurée par le président égyptien, produira près de 10 millions de mètres cubes par jour. D'ici juin, elle atteindra environ 28 millions. D'ici la fin de l'année, elle pourrait atteindre près de 50 millions de mètres cubes et 76 millions par jour d'ici la fin 2019. Mais nous faisons le maximum pour qu'elle soit terminée avant fin 2018. Ce gisement couvre à lui seul 50% de l'ensemble de la production de gaz de l'Égypte. Le coût des opérations pour ce gisement se monte à environ 2,8 milliards de dollars par an. Mais il devrait permettre de rapporter environ 20 milliards de dollars par an grâce à la production d'électricité, la production pétrochimique et à la livraison pour différentes industries. C'est pourquoi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi y accorde une attention toute particulière. Nos réserves de devises étrangères ont fondu après 2011 en raison de l'importation de produits pétroliers. Nous avons dépensé 1,2 milliard de dollars par mois. Oui, chaque mois, le pays avait besoin de 1 200 millions de dollars pour que les gens remplissent le réservoir de leurs véhicules ou pour une utilisation domestique. Ce gisement aurait dû être prêt dans 7 ans. Nous avons tout fait pour qu'il soit prêt en seulement un an et demi. Cela nous a coûté 13 milliards de dollars pour qu'il soit prêt en un an et demi au lieu de 7 ans. Ce gisement de gaz, qui a été découvert par la compagnie pétrolière italienne Eni, pourrait changer la donne pour l'économie égyptienne. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel avec d'autres gisements, l'Égypte deviendra autosuffisante en gaz. Cela signifie que nous n'importerons plus à partir de 2018. Cela permettra d'accroître nos réserves en devises étrangères et renforcera notre économie. L'argent que nous allons épargner et les revenus supplémentaires que nous récolterons sur les exportations de gaz permettront d'améliorer d'autres secteurs tels que la santé, l'éducation et le développement social. Le succès du gisement de gaz de Zohr a encouragé le gouvernement à accroître les prospections le long de sa côte méditerranéenne. Les compagnies pétrolières ont investi 20 milliards de dollars pour découvrir davantage de gisements de gaz dans la région.